Salut à tous, une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup de gens qui m'envoient des questions, qui me disent, voilà, j'ai un problème, l'autoradio il s'allume pas, l'autoradio il s'allume plus. Je vais vous montrer comment on contrôle l'alimentation pour l'autoradio. Sur ce modèle-là, cette fiche, elle s'appelle une fiche ISO. Elle a deux fiches, deux prises. Une prise pour les haut-parleurs pour les baffes et une prise pour l'alimentation et la commande. Donc moi, ce que je vais contrôler, je vais repérer toujours la prise qui alimente. Après la deuxième prise pour les haut-parleurs, les fils, elles sont tous pareils. La dimension, le diamètre du fil, elles sont tous presque pareilles. C'est là où on peut distinguer les fiches. Les prises, les fils pour les haut-parleurs et les fils d'alimentation. Par contre, les fils, la prise de l'alimentation, les fils, ils n'ont pas le même diamètre. Donc celui-là, le gros là, c'est un négatif, c'est un moins. Après, j'ai toujours le jaune sur Renault, c'est un plus après contact. Le rouge, c'est un plus permanent. On va les contrôler avec une lampe témoin. Ce que je vais faire, je dois brancher ma lampe témoin sur le moins, un fil sur le moins et le deuxième sur le plus. Là. Là, je suis avec. J'ai mis le contact. Hein. Je vais retirer le contact. Donc, comme on a dit, le rouge, c'est un plus permanent. Même si on retire la clé, il reste toujours le plus permanent. Le noir, c'est le moins. Bon, on a un rouge. Vous devrez trouver un rouge, un plus permanent sur les autoradios, un plus permanent. Et un plus après contact. Là, je mets le contact. Le plus après contact, c'est celui-là. Quand je retire le contact, il part. Je mets le contact. Donc, pour qu'il s'allume la radio, pour qu'elle s'allume, il nous faut un plus permanent et un plus après contact. Et le moins, c'est bien le noir. Après, autre chose, il faut toujours vérifier. On a un fusible ici. Si elle ne s'allume pas, il faut voir ce fusible, il faut le vérifier. Moi, pour moi, je le vois d'ici qu'il est bon. Mais en cas où, si elle ne s'allume pas, si vous avez encore le plus et tout, et le moins, les deux plus le moins, si elle ne s'allume pas, vérifiez le fusible. Si ce n'est pas le fusible, votre autoradio est cramé. Merci à tous.